Donc salut les amis, c'est Ravanelit et aujourd'hui ça va être une petite vidéo très courte je pense, mais une vidéo coup de gueule. Voilà un petit coup de gueule parce que regardez, je vais dénoncer voilà une pratique qui est mais totalement abusée et qui malheureusement est vraiment très courante dans ce jeu. Donc voilà, vous allez vous en apercevoir. Regardez, toute mon équipe est dans son spawn parce que regardez quand on sort, il se passe ça. Voilà. Quand on sort, il se passe cela. Et encore là, c'est pas le pire, j'ai eu le temps. Je fais du 2-8. J'ai fait 2 kills par chance. Regardez-moi ça, je me fais déjà tirer. On est coincé dans notre spawn. Ouais, donc là, Phantom, il a réussi, je crois qu'on va pouvoir sortir. Mais je me suis fait tuer, donc au moins 8 fois d'affilée, par ces mêmes gens. Alors toi, par contre, j'ai vu que t'es derrière, je vais te buter. Mais voilà, je trouve cette pratique, mais d'une répugnance, mais à toute épreuve. Voilà. On peut pas sortir. Le gars, ils sont tous là. Toute l'équipe adverse est dans notre spawn. Voilà. Regardez-moi ça. Tous ces corps, c'est parce qu'on se fait buter par des gens qui sont là. Oui, je suis toujours un sniper. Au début, je voulais faire une belle partie, ou même une partie normale. Voilà. Je me suis fait gêner par mon enculé de coéquipier. Ça, voilà Logan hein, de 9, et voilà. Alors, voilà le lance-grenade. Hein. Donc, vous voyez, tout le monde qui crie pas de lance-grenade et tout, mais voilà, on se fait agresser par même une pluie de lance-grenade qui rend totalement abusif. Allez, on va sortir parce que j'en ai marre. Là. Regardez-moi ça, les gars sont tous là. Voilà, regardez-moi ça, ils arrivent tous, ils vont nous contourner pour venir tous nous buter. Franchement, mais qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Et pourtant, les parties durent 11 minutes. Ça fait 11 minutes qu'on est agressé dans notre spawn. Ça fait 11 minutes. Enfin, non, ça fait pas 11 minutes, mais ça fait 3 minutes. Voilà, regardez-moi ça. Et regardez le score de notre équipe. Voilà. Ils font 78 kills, on en fait 42. Franchement, non. Regardez-moi ça, j'ai pas le temps d'arriver. Je suis agressé directement. Heureusement que j'ai l'invincibilité de début de partie. Hein. Et c'est en plus, ces ennemis sont un peu cons. Mais sur une équipe qui fait du spawn kill, mais c'est une équipe de cons apparemment. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. Déjà pour faire ce genre de pratique, faut pas être très intelligent. Mais là en plus, c'est vraiment une équipe mauvaise. C'est que les gars avaient pas compris. Donc lui surtout là. En plus il nous tirait au pistolet au G18 en plus. Voilà, donc s'il me tirait au G18, il était en 40. Et voilà, j'ai même pas le temps de l'aligner, je me fais tuer. Donc en fait, c'était ce mec, je crois que c'est Logan, qui était pas très intelligent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il s'est mis là. Donc c'est bien, là, au départ, tu peux te mettre là. Hein. J'ai rien contre ça, voilà. Tu campes, ah, c'est Logan. Vous voyez que Logan m'a tiré plusieurs fois dessus. Hein, il m'a totalement agressé d'une manière agressive. Je déconne, c'était forcément agressif. Allez, tourne pizza. Donc il s'est mis là. Il a pris son pistolet, moi en l'occurrence il avait un fusillé, mais avant il avait pris son pistolet. Et dès que j'ai spawné ici, c'est-à-dire dans son angle, j'avais spawné là, c'est-à-dire dans son angle de tir, il a tiré. Voilà, c'est fait. Il a tiré, il m'a tiré. Mais c'est très con parce que dans ce jeu, d'ailleurs, c'est ce que je comprends pas trop. Quand vous spawnez, ben, je comprends pas, mais en même temps c'est bien. Parce que dans ce jeu, quand vous spawnez, je crois que vous avez 3 secondes d'immortalité. Donc, où le gars va vous tirer dessus, vous allez voir toutes les balles qui vous viennent dessus, qui vous agressent. Mais, vous n'allez pas vous faire tuer. Parce que vous êtes, mais immortel. Et après, ça s'arrête. Et voilà. Mais pendant quelques secondes, vous êtes immortel. Ce qui rend un peu le spawn kill assez dur pour les gens qui, justement, campent comme des gros porcs. Hein, on va pas se mentir. Hein. Là, les gars, ils campent vraiment comme des... Le gars, Logan, là. Campé vraiment comme un gros porc. Et pourtant il a un bon score. Non, même pas. Le gars, il a même pas un bon score. Là, je vais essayer. Regardez-moi ça. Là, il y en a un qui vient de passer. Je suis persuadé qu'il va y aller pour juste nous agresser. Voilà, regardez-moi ça. Je comprends pas. Je me fais... Hello. Voilà. C'est un... Regardez-moi ça. J'ai pas pu sortir de mon spot. Je fais 5 kills. Et encore, c'est pas mal, hein. Je fais ça. Voilà. Il continue à lancer des grenades. Ce RS Attila, c'est un gros tricheur. Il a plusieurs grenades. Je suis persuadé d'ailleurs.
Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On n'a pas le temps de se mettre, on se fait tirer. Oh, il a pu faire du fringue. Il est bon, ici, le trailer. Voilà. Alors, regarde, il y a 42 grenades qui pètent partout, là. Voilà, Mathias Rex. Ah, c'est sûr, ils font une bonne partie, hein. Voilà, là, les mecs, ils doivent être contents. Voilà, voilà, voilà. Comme quoi, hein, ce jeu, je dis à chaque fois, c'est pas Call of, hein, rigolant. Mais bon, hein. Hein. On peut dire quand même que les gars ont gardé quelques petits points de Call of. Notamment une pratique du spawn kill totalement totalement ignoble. Et voilà. Là, je sens que je vais quand même pouvoir sortir. Non. Eh non, je ne peux quand même pas sortir. J'exagère pas. Mais ça nous arrive des fois. Donc dans certaines parties. Et encore là, j'ai réussi à sortir. Mais vous voyez, des fois, dans certaines parties, c'était là. Donc il y avait 4 ou 5 mecs qui faisaient la navette comme ça. Et qui à chaque fois mitraillaient tout. Donc c'était en classe soutien. Et on était bloqué de là. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui ? Ah oui, morte. Campus. Je sais pas si c'est un mec ou une fille. Ouais, un sniper, hein. Une espèce de camper immonde. Qui a un meilleur score que moi en plus. Oui, on était bloqué ici avec ma mon équipe. Et ça avait duré, mais toute la partie. Et ça m'avait assez écœuré, je dois dire. Enfin là, ça m'écœure aussi. Hein. Je fais du 5-19. Alberto. Oh Alberto, je sais pas si vous en souvenez. C'est lui qui me tuait à chaque fois dans la première vidéo commentée que j'avais faite. Je me suis tué par un mec. C'était Alberto, je suis sûr que c'est un pseudonyme. Alberto. Bah, je regarde parce que des fois, oui, il y en a qui arrivent par là. Donc c'est assez. Ça c'est bien, voilà. Encore une fois. Voilà. Je sais pas où il est. Je sais pas comment. Je suis protégé des deux côtés. Il y a un mur. Donc il y a les deux murs. Là, je me fais fraguer, quoi. Non, voilà, lui, là. Regardez-moi ça, voilà. Donc là, le mec fait vraiment la navette. Venir, il y en a plusieurs, en plus, là. Donc ça va vite s'avérer impossible. Toi, tu commences à me péter les couilles. Oh, je l'ai loupé! Non! Mathias Rex, en plus, c'est le premier. Non, j'aurais pu l'avoir. Bon, ouais. Là, des fois, je me demandais... Là, je m'étais posé la question dans ma précédente vidéo. Comment les gens, ils font pour avoir de si bons scores? Pour être aussi performant, faire des scores avec 40 ou 50 points, ben voilà, ils font ça. Ils s'infiltrent dans le spawn. Ils se mettent à un endroit, mais vraiment comme ici, hein, vous voyez. Donc là, il y a un mec qui est mort, c'était forcément un ennemi. Ils se mettent là, ils prennent leur classe de soutien. Ils attendent, vous voyez, ils attendent qu'il y ait un pauvre blaireau comme lui, il a une aiguille, qui passe là et bam, il le mitraille. Voilà. Et ça arrive, à chaque partie, il y a un mec qui fait ça. Là, malheureusement, on est tombé sur une équipe qui faisait ça. Et quand il y a une équipe qui fait ça, vous pouvez le voir, c'est légèrement plus embêtant. Puis voilà, franchement, c'est... Non. Il y a vraiment un gâchage de partie, voilà. Je me fais encore tirer. Je comprends pas par où, je sais pas où. Je crois que le mec est là. On va tenter le no-scope. Bon, il est déjà perdu d'avance. Il est perdu avant d'avoir essayé. Ah non, c'est bon, il a buté. Voilà, c'est bien. Voilà, on revient là. Voilà, voilà. Il y a des tirs partout. C'est pas la peine de sortir, on va se faire agresser. Ah, il y a une frag qui va par là. Une grenade. Et voilà, il s'est pris le chargeur depuis. Non, il s'est pas pris le chargeur. Il s'est pris quelques balles, mais il est pas mort, hein, ça là. Ça là, il fleurait les balles. Il a continué comme si de rien n'était dans son petit monde tranquille. Voilà. Il est passé où ce con? Il est passé où? Ah mais je t'ai vu mec, sors. Hein. Ouhou, ping ping. Ah non, c'est lui, il est là. Il a tué le gars qui s'appelle ça. Hello bro! Ah non, je voulais le faire le kill de fin, je l'ai pas eu. Oh là là. Bon ben voilà, c'était pour dénoncer cette pratique. Encore là, ça va pas durer, mais voilà, ils ont gagné par une différence de presque 70 points. Et voilà, on s'est fait battre. Voilà, enfin, je trouve ça assez moche. Je fais ça pour montrer qu'il n'y a pas que dans Call of qu'il y a du spawn kill. Voilà. À plus tard, vous n'êtes pas trop écœuré par ça, quoi. Allez, c'était Raven Elite.